Wesh les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo déballage de maillots de football et de maillots d'NBA. Les gars, vous le connaissez, on a déjà fait deux vidéos déballage sur la chaîne secondaire. Franchement, vous les avez kiffés les gars, plus de 7000 vues pour les deux. Je crois il y a à peu près 500 likes, donc franchement, ça fait plaisir. Les gars, on s'est dit quoi? C'est reparti, on refait une commande. Cette fois-ci, on a mis d'autres maillots de football. On a mis des maillots de NBA aussi. On a essayé les gars. Donc il y aura vraiment de tout dans cette vidéo. Donc si vous kiffez, n'hésitez pas à exploser cette barre des likes. Abonnez-vous, activez la cloche. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne principale. Le lien est en première ligne de description où elle s'affiche juste ici. On est actuellement en train de tourner la vidéo en live, donc si vous voulez c'est carré. Et puis les gars, tous les maillots qu'on va déballer, encore merci à Easty Soxer qui nous envoie. On n'a pas été payé pour dire du bien des produits, donc c'est à dire si les maillots sont nuls on va vous le dire, s'ils sont bien on va vous le dire, on vous dit les amis honnêtes, on s'en fiche quoi. Mais bon les gars, vous connaissez, ça fait déjà du coup la troisième fois frère, je pense que ceux qui ont vu la vidéo ils ont vu les anciennes gros et la qualité ans. Voilà quoi, en gros 4 ans qu'ils nous envoient. Là on en a ouvert 3 colis il y a pas longtemps, je pense que vous avez vu la qualité et on connaît les gars. Donc là, hâte de voir les parents les maillots d'NBA, on n'a jamais essayé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne les maillots de basket. Aussi les gars, je tiens à préciser pour tous ceux qui vont acheter sur le site et tout, si les maillots sont beaucoup moins chers les refs, c'est normal, c'est parce que c'est des faux maillots, je tiens à rappeler. Mais voilà. En tout cas, sachez que le site de Easty Soxer est en description pour ceux qui veulent. Vous avez un code promo moins 10%, CNFZ tout en minuscule, tout attaché. On vous l'a fait juste ici. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, vous avez le site, vous avez moins 10%. À vous de voir si la qualité vous convient. Oula, oula. Smooth. Tu sais j'ai du cœur mais j'ai beaucoup d'ambition. Avant de le dire j'ai besoin qu'on ralentisse. Si tu me veux faut que tu me garantisses que je serai dans ta tête et je parle pas que de mes disques. Les gars, regardez-moi ce colis. Oh, comme d'hab. On aurait déjà un sac poubelle un peu quand même là. Ouais, la vie, ils ont mis un sac poubelle. Gros, ça fait peur un peu hein. Les gars, là, il y a tous les maillots, ils sont dans l'ordre, t'as juste à tirer. Là, ça va être vraiment nickel, Lilian. En plus, gros, je me souviens plus du tout des maillots, là, j'ai aucune idée du maillot qu'on peut avoir. Lilian, juste ne regarde pas en bas, parce que du coup, on les voit et tu te fais spoil. Mais c'est parti, vas-y, tire. Je sais juste, Lilian, que je crois que c'est à partir de 100€ de commande, t'as un maillot gratuit. Normalement, on prenait toujours celui du Real, celui de la France qui est conseillé. Là, j'en ai pris un au pif, donc même moi, je sais pas c'est lequel, ok. En mode, c'est un maillot au hasard, les gars, qui nous ont donné. Exactement. Qu'on a commandé plus de 100€, ok. Donc, on verra c'est lequel. Petit maillot du Real, c'est ensemble short chaussettes, non je crois les gars. Non les gars, y a pas d'ensemble short t-shirt chaussettes je crois les gars. Ce maillot y avait pas. Donc, voilà. Oh, ah ouais, le petit maillot du Real. En plus les gars, on l'a commandé avant qu'il soit champion d'Europe les refs. Hein. Oh, il est masterclass ce maillot. Non, ah oui, il est masterclass. Insane. Oh, regardez les gars, les petites écritures et tout. Ah ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Regarde le maillot du Real. Non, ah ouais, non. Les gars, du coup, si vous suiviez, on avait déjà eu le maillot du Real. Là, le premier, le normal, le blanc. Et le logo, il était assez mal fait, on l'avait dit et tout. Et là, franchement, le logo, mais regardez, il est parfait, les gars. C'est parce que là, il est en stickers. Alors qu'avant, il était un peu en coutu et tout. Du coup, ça rendait mal. Mais là, les gars, vu qu'il est en stickers, il est trop bien fait. Là, je pense que c'est un des maillots. Je pense que c'est le maillot le mieux fait depuis. Qu'on a depuis 4 ans gros. Je te jure il est trop bien fait lui celui-là. Oh, regardez avec le petit à la Madrid derrière. C'est la vie, insane. Oui, oui, il est insane mais non. Ils ont tous ils sont à la perfection lui là. Lui il est à la perfection les mecs. Oh, ouais en plus avec le petit col. Vas-y c'est parti, je vais essayer ça les gars. C'est juste la matière les gars, tu sens que c'est un peu plus léger. On dirait les gars pour ceux qui ont des t-shirts de Sport Asics, c'est exactement ça. Et les gars, regardez Lilian qui arrive avec le maillot. Les gars, par contre, vraiment, je trouve ça trop beau le mélange avec le bleu et le orange. Ouais, oh, franchement, il passe trop bien. Les gars, il est pile parfait. Nous, on a pris en L, voilà, pour tout ce que tu savais pas. Waouh, ouais, les gars, le maillot est plus que validé. Non, il est en L. T'es sûr? Ah oui, il est en L. Bah, les gars, en vrai, ce que je trouve qui carré lent, c'est qu'ils auraient pu mettre un bleu simple. Et là, t'as vu, il y a les petites écritures. Ouais. Et là, derrière le à la Madrid en petit. Oh, ouais, masterclass. Ah ouais. Franchement, moi, je kiffe. Oh gros, tu peux le mettre comme ça dans la rue et tout, franchement il passe crème. Vas-y, bah carré les gars. Franchement, dites-moi si vous validez dans les commentaires le premier maillot. Le seul truc que je dois reprocher, c'est que c'est pas exactement la même matière qu'un maillot de foot, mais plus un t-shirt de sport. Mais on s'en fiche les gars, au contraire. C'est un peu plus léger, mais ça va en vrai, c'est mieux pour jouer au foot, transparent et tout. C'est mieux qu'il soit plus léger les gars que plus lourd. Allez, c'est parti à deuxième maillot. Tu penses qu'il en reste combien encore? Il en reste à peu près, les gars, il y en a à peu près 8, je crois. Ah ouais, on est bien frère. Lilian, maintenant, c'est parti. Oh, j'ai raté un peu, j'ai été spoil, je crois, j'ai raté un peu. Non, moi je sais ce que j'ai pris au milieu donc j'avais vu le colis. C'est le vert. C'est quoi ça, c'est le Brésil? Ah mais c'est Stephen Curry, ça m'a été NBA gros. Mais on a l'ensemble gros, on a l'ensemble. Arrête. On a l'ensemble NBA les gars. Avec un short et toi? Mais attends mais c'est bizarre, les gars on avait pas, je crois qu'on avait commandé que le t-shirt et ils nous ont envoyé que le short. Mais déjà on n'a pas commandé Curry je crois. Les gars je sais pas. La vie on a jamais commandé Curry. Non, ah mais c'est Davis, mais pourquoi j'ai vu Curry alors que c'est marqué Davis gros? Le maillot d'air masterclass. Peut-être j'ai trop mangé de sauce curry. Première fois les gars.
première fois les gars qu'on teste un maillot de Jordan. Enfin en vrai on en a jamais un maillot de basket quoi, un maillot de basket. C'est quoi ça? Ah, les experts maillot de basket, je pense que vous devez savoir gros. Je pense que c'est en tout cas, ça dégage. Ah mais non, il y a pas de short, tu as un gogol. Ratez le petit maillot de basket. Oh, il est pas incroyable. Là, par contre, il rend tout jaune, jaune super clair là, les gars, sur la caméra. Sur la caméra, il rend super mal parce qu'on a un gros éclairage blanc devant. Mais les gars, il est jaune, genre là, jaune la matière normale. Mais là, du coup, il rend tout blanc. Mais enfin, il rend tout jaune blanc. Après, les photos que j'ai vues, etc., les gars, c'est exactement comme ça. Bon, ouais. Il est pas aussi jaune, hein, les gars. Nous, il est exactement la bonne couleur, les gars, jaune-orangé. Attendez, regardez, je vous coupe l'éclairage pour que vous voyez. Vas-y, regarde, montre-la. Ouais, mais c'est toujours pas exactement parce que. Ouais, mais là, vous voyez un peu mieux quand même, vous voyez un peu mieux. Ouais. Masterclass, il y a du violet, il y a du blanc. Vas-y, j'ai envie d'essayer pour voir ce que ça me fait. Vas-y, essaye-le. Il t'entend pas, il attend. Il a dit, what the fuck, le mec. Ah, mais c'est quoi ce corps de lâche? Non, je rigole. Les gars, c'est trop bizarre en fait, parce que. Regardez, là, les gars. Oh, c'est là. Gros, regardez les gars, ça fait un truc qui dépasse. Mais en fait, je pense que tu sais comment il pourrait rendre le maillot, Léon. Non. Faudrait remettre un t-shirt blanc. Attendez, les gars, j'essaie de mettre un t-shirt blanc parce que là, c'est horrible. Regardez-moi cette masterclass, les mecs. Oh, les curves là, les gars. Oh, ouais, ça rend bien là. Parce que les gars, j'ai un corps de l'âge, du coup, ça marche pas. Mais tu vois, si t'es musclé. Ah ouais. Là, ça passe bien, gros. Direct au state, ça y est, tu sors de tôle au state, gros. Regardez, dites-moi si vous validez en commentaire. Ouais, ça c'est la bonne matière et tout, c'est carré. Oh, mais franchement, Léon, au début, je me suis dit, putain, c'est quoi ce merdier. Et là, gros, la vie avec le t-shirt blanc, non. Ouais. Quoi, je sais pas. La vie passe crème. Juste les gars, comme je vous le répète, hein, c'est pas le jaune comme ça. Là, ça fait un jaune pollen, mais dans la vraie vie, il est orange. Hein. Il est plus orange que jaune. Hein. Si, là, vous voyez comme quoi il est orange, quoi. Ouais, voilà, il est exactement ça, quoi, comme couleur à peu près. Regardez les gars, ça n'aurait pas d'éclairage que ça rendrait. Ouais. Wesh, les gars. En tout cas, les gars, dites-moi si vous validez. Eh, on a oublié de mettre des notes, Lyon. Ouais. Mais j'ai oublié surtout de mettre les éclairages. Ah, bah voilà, on est déjà mieux là. Et dernier éclairage, les gars. Ah oui, j'ai oublié de mettre des notes. Du coup, pour ce maillot, tu mets une note de combien déjà? Lyon, moi je te dis, les masterclass. Moi je mets 9. Le seul truc qui me dit ça, ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre. Ah ouais? Non, moi je trouve ça grave bien, frère. Non, pas ça là, ton col roulé, frère. Ouais, je sais, je trouve ça grave bien. Ouais. Moi je mettrais un 9 perso. Ouais, moi aussi 9, franchement, nickel. Et là, les baskets, les gars, il est insane. Hein. Moi, masterclass. Bon, le seul truc qui perd un point, c'est que là, frère, j'ai l'impression, gros, c'est pour. What? Les gars, regardez l'écart, l'espace là, entre ici et entre ici. Ouais, mais je pense que c'est fait. Je sais pas si c'est fait exprès parce qu'en fait, on a jamais essayé de maillot de basket, donc on peut pas trop situer dire ouais, c'est mal fait quoi. Ah oui, 9, c'est une masterclass. Là les gars, vous voyez pas la vraie couleur, mais c'est exactement comme bah comme dans les maillots de basket, c'est exactement les mêmes. Attends, moi je valide. J'ai tiré. Qu'est-ce que t'as tiré là, Lilian? Mais ce maillot, gros, on a jamais acheté ça. Lilian, c'est bien ce que je te dis. C'est le maillot hasard en mode hasard. Les gars, du coup, en gros, sur le site, à partir de 100€ de commande, t'as un maillot hasard. Et du coup, c'est lui, les gars. Ça, c'est pas une équipe turque comme oui, ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, les gars. Je crois que c'est une équipe turque. Là, il faut que dans le chat, là, les gars, on est en live en même temps. Il faut que vous nous aidez, les gars. C'est quoi comme équipe, ça, les refs? C'est fait exprès. Ah oui, bah, les gens. Ah oui, Lilian, regarde, c'est fait exprès, les gars. Les gars, tout le monde dit qu'en gros, bah, du coup, pour l'écart, là, dans le chat, c'est fait exprès. Donc voilà, donc c'est carré. Mais il en. Regardez, les gars, le maillot, comment il rend super bien. Oh, la vie, les carrés, les gars. Les masterclass, regarde là, les petits détails, là, Léon. Ouais, petit maillot rouge et noir. En plus, on a jamais eu de maillot rouge et noir comme ça et tout. Franchement, il est carré comme ça. Hein. Franchement, ils auraient pu envoyer Léon le tout dernier maillot, le éclaté. Après, c'est vrai qu'ils ont pas fait un effort. Ils ont pas envoyé le meilleur Manchester City. Mais c'est un tirage au sort en vrai. Mais les gars, je crois qu'ils l'ont tiré au sort. Donc en vrai, ça. Ouais, moi, je trouve qu'il passe bien le maillot, il est original. Et c'est des équipes que t'as pas l'habitude de porter en mode. Ouais. Tu parles pas de trucs que Real. C'est vrai que tout le monde a Real dans la rue, tout le monde a ça. Et là, t'arrives, tu sors ce maillot, toi, il est original. Ouais, et du coup, y a personne, les gars, qui me dit dans le chat. Ah, c'est Flamengo l'équipe. C'est où jouait Paqueta et Vini. C'est une équipe de Brésil, gros, c'est l'équipe du Brésil. C'est là où il y a Paqueta, Vinicius, il y avait Tête là, Tété ou le joueur de Lyon. C'est là où il y avait tout le monde, gros. Vers Flamengo, c'est une équipe du Brésil. Mais Flamengo. Non, mais c'est la frappe atomique, gros. Mais il est incroyable. Les gars, ça fait stylé, du coup là, tu vois, tu même penses... du coup, comment il s'appelle là, celui qui joue à Marseille là, Gento là, je sais pas quoi, la Genso. OK. Mais le Marseillais là, comment il s'appelle? Genesio là, je sais pas quoi, non. Non, pas Genesio là, Genso, Gento, Tongen. Je leur file pas ce maillot tant que je me rappelle pas s'il s'appelle comment le Marseillais là. Qui jouait dans cette équipe avant Marseille là. Gerson, voilà, Gerson. Putain, il est violent le maillot. Les gars, la vie, oh, c'est trop bien, rec. Avec ta chaise rouge. Oh, il est bien. Allez, tu sais quoi, je lui mets une main. Oh, mais il est insane, gros, t'es là, tu. Oh, la vie pour les lives et tout, tu mets là. Petit maillot du Flamengo, du Brésil.
Les gars, c'est violent quand même, c'est violent. En plus, nous, on est le genre de mec en mode, on l'aurait pas acheté parce qu'en mode, on s'aurait dit, c'est quoi cette équipe et tout, tu sais, on l'aurait pas remarqué. Non, par contre, tu dis pas ça parce qu'on achète tous les maillots, on s'en fiche des équipes. Mais c'est vrai que les gars, on regarde pas, on veut pas taper Flamengo, équipe du Brésil. Ouais. Et du coup, là, de l'avoir au hasard comme ça, ça fait découvrir de nouvelles équipes. Mais surtout avec la chaise, gros, ça passe trop bien. Là, je suis insane, les refs, là, je suis insane, là, je suis cordaille. Regarde le maillot des Lakers, comment il se passe trop bien. Mais je vous jure, là, je suis trop refait. Regarde, non, tu trouves pas, il passe bien là? C'est la vie, il passe. Insane la ref. Et bah les gars, là franchement, on va ressortir cette vidéo, on va être BG. Non. Vas-y, Palia, tire un maillot, là, tire un maillot. Là, j'ai envie d'enchaîner les maillots, là. J'ai envie de tous les enchaîner, gros. Les gars, je mets un 9 sur 10, gros. Il est trop original. Flamingo, là, je kiffe. 9 sur 10, c'est toi, Elliot? Moi, pour le tien? Ouais. Original aussi. En vrai, c'est juste que. Ouais, je mets un 9 aussi sur 10, hein. La vie c'est carré. Hein. Gros, je m'attendais à que tu. Gros, t'as dit ça en mode t'allais mettre 5 sur 10. Si c'est faux, les gars, par contre, que je dois dire, c'est que le logo il m'a l'air un peu big. Ouais, mais gros, c'est le logo, je pense, de base qui est big comme ça. Hein. Je sais pas, ouais, je connais pas vraiment. Mais ouais, mais sinon, franchement, vous le voyez, les gars. Allez, les gars, c'est parti maintenant. Prochain maillot. Oh, j'ai encore des maillots de basket, moi. Mais ouais, mais ça y est, là, tu l'ouvres tous mes maillots de basket, hein. Ah, les gars, putain. Gros Thompson, la ville insane, les gars, le maillot. Enfin, je l'ai même pas vu encore, mais il m'a l'air d'être insane, gros. Il donne parce ça que. Chaque fois qu'on a un maillot de basket, là. C'est l'authenticité, garde. Je pense que c'est un maillot de basket, mais c'est un fou, donc pourquoi l'authenticité, donc je comprends pas. Je te dis, garde ça, je l'ai jeté comme. Ah oui, merde. Ouah, le maillot il a l'air. Oh, mais c'est le mien, les refs. C'est moi, je l'ai dit, il est incroyable, lui, et en mode c'est le mien. Il est masterclass. Il est pas masterclass, le maillot, les refs. Oh là là. Avec c'est les Miami, éclairs sur le côté. J'ai joué, je crois que c'est Miami. Regardez les gars avec les éclairs sur les côtés en mode. Ah ouais. Bah attendez, ah ouais, il est masterclass le maillot. Oh là là. Thompson derrière. Un peu bresson quand même, mais il passe bien. Les gars, vous savez pourquoi j'ai pris Thompson? Parce que c'était le numéro 11 et tu connais, moi je suis numéro 11 star à l'époque de Neymar au Barça. Les gars, l'arrivée d'Eliott. Après là, faut le mettre avec un t-shirt noir. Là, on a mis un t-shirt blanc, mais faut le mettre avec un t-shirt noir. Hein. Ouais, faut le mettre avec un t-shirt noir. Mais honnêtement, je suis moins fan. Je le trouve trop sobre. Et là, le logo il a l'air bizarre un peu de la touche. Ah ouais, la qualité par contre là j'aime pas du tout les refs. En fait la qualité du maillot elle est bien, mais la qualité du truc incrusté, ouais là du flocage là il est super mal fait. Enfin je sais pas si c'est mal fait ou j'aime pas, je sais pas, c'est bizarre. Bon, le logo Nike je valide. Ouais par contre non, sinon moi je le trouve incroyable. Je vous jure qu'avec un t-shirt noir il passe bien. Là c'est juste qu'avec le t-shirt blanc ça rend bizarre, mais avec la chaise il passe bien, non? Ouais les gars, est-ce que vous validez dans le chat? Montre un peu l'écriture derrière. Oh la vie les gars, il est carré. Vous en pensez quoi dans le chat? Moi franchement pour l'instant c'est celui que j'ai moins aimé de la vidéo. En vrai parce que je m'attendais un peu à mieux, mais sinon ça va. T'as vu éclair, sur le côté en mode. Oh, les gars, c'est insane. Hein. Ouais. La vie, faut le mettre avec un t-shirt noir. Mais j'allais dire en été, mais en été, c'est ton noir, tu beaucoup. Après, là, tu vois, moi j'ai encore un peu moins de lâche que toi, tu vois, donc ça va faire dégueu. Ah! Ah, mais c'est une blague ça. Ah, ok, faut passer la petite note. En vrai, toi, tu mettrais une note de combien? Les gars, petite note, en vrai. Et moi, je mettrais un. Ah, le flow. Déjà? Moi, je mettrais un 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10. Et il perd beaucoup quand même à cause du flocage. Ouais, en fait, il perd 2 points à cause du flocage. Et 1 point parce qu'en vrai, je sais pas pourquoi j'ai pris noir alors qu'on est en plein été. Et le soleil, il est attiré par le noir. Je t'ai dit, frère, il voulait absolument me prendre noir, les gars. Ouais, en fait, je voulais pas prendre le jaune et tout. Mais en fait, les gars, faut prendre des couleurs vivantes pour les. Allez, non, ne regarde pas. Mais c'est à moi de tirer, t'es un malade, oui, toi. Oui, regarde pas, vas-y, tire-en. Tiens, je te l'ai porté. Tu vas regretter. Les gars, regardez le maillot qu'on a. En gros, si vous demandez pourquoi on a le même maillot de Leipzig bleu alors qu'on l'a déjà eu. En gros, les gars, c'est simple. Il y a un pote qui ne le voulait absolument. Gros dédicace Liam si tu passes par là. Et du coup, les gars, on lui a pris. Bah voilà, mais c'est bon, on va pas l'essayer. On va le laisser emballer comme ça. Les gars, voilà, petit maillot de Leipzig. Il est carré, les refs. Mais du coup, voilà, mais moi j'ai déballé les maillots. C'est bon, les je gars, peux pas les essayer. Vas-y, c'est bon, t'inquiète, retire-en. Les gars, au moins, on a régalé notre collègue. Non, mais je rigole, gros. C'est... Il a pas capté que c'était du second degré. En fait, je pensais que j'étais vraiment en train de pleurer là. J'ai pas compris. Les gars, le but c'est de tirer chacun notre tour. Toi t'es tombé sur 2 maillots de basket et pas le maillot de foot. Moi je suis tombé sur un maillot de foot qui était pas le nôtre, quoi. Ça fait partie du jeu, je les gars. Je dois avouer un mensonge. Je sais c'est lequel, mais il est masterclass. Oh. Il tue ou pas, Lilian? J'aime beaucoup ça. Ah, mais il voit pas la vraie couleur, putain. Oh, les gars, bah en fait, c'est bleu turquoise, les refs, la vraie couleur. Maillot du RAL encore. Ah, oh, on a déjà pris 2 maillots du RAL. Il y en aura que des maillots du RAL. Oh la vie, il est insane. Je pense, les gars, là à la caméra, du coup, vous voyez pas la vraie couleur, mais je pense que tout le monde la connaît, les gars. Ce maillot, il est connu. Oh, en tout cas, incroyable, les mecs. Hein. C'est parti, vas-y, go, essaye ça. Avec mes Jordan verts, Lilian. Ouais, la vie, il est insane, le maillot, les gars. Vas-y, go, essayez ça. Ah, par contre, le maillot du Real, les gars, c'est comme on vous a dit. Il est un peu mal fait quand même. Hein.
Ah non, en vrai, ça va. Où tu veux. Ah, mais non, fait. C'est vrai, il est bien fait, la vie. Ouais, la vie, moi je le trouve bien. Ah, oui. C'est juste celui blanc, il était mal fait, le logo. Mais sinon, les autres sont tous oui. bien faits. Hein. Là, ça va en vrai, ça va, mais oui. Ouais, la vie, c'est carré. Vas-y, go essayer ça, les refs. L'entrée sur le terrain de Vinicius Junior. Les gars, voici le résultat. Ah là, tu vois bien la couleur. Genre, c'est la même couleur, mais un peu plus clair. Ah oui, il a l'air d'être big celui-là. Tue le maillot, Lilian, avec la chaise. Franchement, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Là, on est corde à moi rouge, toi bleu. Oh la vie, il est incroyable, maillot. Incroyable maillot. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Moi, en vrai, Elliot, je mettrais une note de 9 sur 10. La vie, il est incroyable, le maillot. Et surtout, c'est une couleur originale en mode. Non, moi, je mettrais un petit 8,5 parce que les gars, il manque de trucs ici ou ici. Mais je pense que c'est vrai, il manque un peu de détails. Il est un peu simple, mais sinon, il est insane. Ah oui, 9. Mais ouais, même 9 parce que gros, je vais le tuer avec mes Jordan celui-là. Il est incroyable, les gars. En plus, la matière, franchement, il est nickel, c'est comme les autres, mais il m'a l'air un peu plus épais, non? Ouais, il est un peu plus épais, les gars. Il est un peu plus matière de foot. Ah ouais, ouais, ah, boy. Lilian, maintenant, c'est à ton tour de déballer un petit maillot. Lilian, je te le dis, je les ai vus, les maillots, je les connais. Plus, il reste que des masterclass. J'ai je te fait promets. Un tour sans maillot, les gars, donc c'est le moment. Je te promets, il reste que des masterclass, Lilian. Attendez, je vais tout finir, il reste combien? Ça va, il en reste beaucoup en vrai. Il en reste 3 ou 4, je pense. Allez, on va prendre les. Je te jure. Est-ce que t'es prêt? Rate pas! Vas-y, c'est bon, la vie, j'ai pas vu c'est lequel. Lève la tête en haut. Quand je vois ce maillot, il me fait penser à Nasdaq et à Mansour. Ah ouais, les gars, qu'ils avaient l'ensemble de Juventus. Oh, les gars, je voulais absolument le prendre. Lilian, il voulait pas, Lilian, il voulait pas. Qu'est-ce que t'en penses? Mais les gars, mais ou quoi? Moi, j'ai jamais dit que je le voulais pas, lui. Mais t'es fou ou quoi, toi? Oh, il est insane, les gars, maillot de la Juventus. Oh, bleu, jaune, bleu. Ah oh, ouais, il est incroyable, les gars. Oh, mais dommage pour l'été. Le petit axe, c'est en plein milieu, les gars. Ouais, ça gâche un peu tout, le petit sponsor. Oh, le logo, il est super bien fait, Lilian. Ouais, la ville, le logo, il est incroyable. Avec les trois petites étoiles et tout. Et là, regardez derrière, c'est jaune et un peu de bleu et blanc. Oh oui, ça tue le détail. En fait, derrière. Tout est parfait, Lilian. C'est juste le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas le short. Oh non, il y aurait le short, gros. Oh, ça fout le seum, ça. Mais Lilian, c'est pas grave, gros. En tout cas, Lilian, mec, le détail derrière, il tue aussi. Hein. Ouais, vas-y, je vais essayer ça. Regardez, tu crois un peu le maillot, comment il rend? Il rend pas incroyable, le maillot? Oh, multicolore comme ça, la vie. Les gars, franchement, ce que je kiffe dans ce genre de maillot, gros, c'est qu'ils ont fait combiner de trois couleurs qui vont trop bien ensemble. Jaune, blanc, bleu. C'est quoi ce détail là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là, Lilian? Wesh! Il y a un grain de pollen, la vie. La vie, les refs, il y a un grain de pollen qui a. Regardez. Ça, les mecs, faut surtout pas tirer dessus. Je vais aller chercher un couteau, ne vous inquiétez pas. Regardez, les gars, il y a un grain de pollen qui. Je sais pas ce que c'est, gros, c'est une ficelle. Oh, sauf que si je tire la ficelle et que je commence à tirer la ficelle, gros, ça va partir en couille. 2 hours later. Une mamie elle va t'aider. Ça, les gars, on a tous vu ça qu'on avait un t-shirt troué, survêt troué. Gros, tu l'as ramené à ta mamie, frérot. La vie, les gars, couturière, pomme. Et pas les coutures et les machines là, bizarre, gros. Qu'à la main, mon pote. Bon, oh. Sinon, il est en quelle note tu mettrais quoi comme note à ce maillot? Franchement, les gars, vous savez, c'est quoi le seul truc qui me défauche? Qui me défauche, frère? T'as cru qui me défauche? C'est le logo Axe en fait. Mais en fait, c'est pas sur le maillot, en gros, c'est plus du coup sur le maillot en lui-même. Du ouais, je sais pas. Mais franchement, moi je mets une note de 9 sur 10, t'en penses quoi toi? Les gars, moi aussi je mets 9 sur 10, gros, ça sent l'été, ça sent regardez, 9, ouais. Le bleu du ciel, le jaune du sable, le blanc des nuages. Gros, tu fais ça, tu mets un petit short blanc, petit short bleu, masterclass les gars en été, masterclass. Avec la petite paire en plus, pff, incroyable les refs. Maintenant Elliot, il nous reste combien de colis là? Je veux savoir, il nous reste combien de maillots, gros? Il en reste qu'un. Non, déjà? Désolé. La vie c'est passé trop vite les gars. Les gars je crois que c'est lequel le C. Putain. Et les gars je crois que lequel le C. Et les gars je crois que c'est lequel. Non vas-y c. Oh les bâtards. Les gars si je me trompe pas, normalement c'est le maillot de basket Léon, celui qu'on a pris le blanc. Ouais je pense que c'est le maillot de basket. Vas-y. C'est quoi ça? Putain mais. En fait c'est le maillot de basket blanc mais c'était pas lui que je pensais en fait. Moi je m'attendais à un maillot de foot et tout frère. Attends, mais gros, attends. Mais dans cette vidéo, on aurait eu 3 maillots de basket et 4 maillots de foot. Du coup, en vrai, ça va, ça aurait été équilibré. Oh, il tue. Wow. Oh, il tue. Ah, mais non, c'était lui, mon maillot. Non, j'ai rien. Non, mais les gars, il tue, lui. Oh, la ville incroyable. Oh, il tue. Mais attends. Et là, t'aurais eu 3 maillots. T'aurais ouvert 3 maillots de basket. Qu'un maillot de foot, t'aurais ouvert qu'un maillot de foot dans cette vidéo et 3 maillots de basket. Ah ouais, lui. Moi, j'aurais ouvert Juventus, Flamengo, Real. Et un mec que j'aurais pas pu essayer. Ah oh, les gars, il est incroyable. Avec Floqué, les gars, du coup, Young. Je sais pas c'est qui, les gars, s'il est fort ou pas. Oh. Mais ça, à mon avis, ça va être un ancien. Oh, en tout cas, les gars, il est incroyable. T'as compris ou pas la blague? Ah, j'ai pas compris. Young, un ancien. Ça veut dire quoi, Young? Ancien? En quoi?
En anglais. Du coup, les gars, c'est parti, vas-y, essaye-nous ça. Gars, ouais, essaye-nous ça. Je sais pas, il me parle de quoi, Young. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ouais, essaye-nous, maillot, je pense que c'est mieux pour toi. Oh la feeling, incroyable, maillot. Oh, oh, vas-y, montre un peu sur le côté. Ah ouais, il est insane. Bon, quoi, tu parles en mode, tu t'entends bien, ouais, je te rappelle, t'as pas le casque, hein. Oh la vie, le maillot, il est insane, il est refroidé. Vous mettez un petit t-shirt blanc, nous on a mis un petit t-shirt Marvel en dessous. Et ça passe trop bien. Ah ouais, il est insane, le maillot. Oh, ah vas-y, gros, je crois que je mets un 9,5 sur 10 hein, sur ce maillot. Non, ouais, non, il est masterclass, lui, les gars. Je bah pareil, par contre, le flocage, il est un peu moins sacré. Ah, j'avais pas vu ça en mode, ça, c'est pas en deux, ça, on... Ouais, c'est normal, ça. C'est sur tous les maillots de basket, ça. Ah, ok. Mais les gars, moi, je mets un 9,5, il est masterclass. Oh la vie, le maillot, il est baisé. Il tue trop. Il tue trop. Tu sors comme ça, mon pote. Sache que t'as des dessins. Ah ouais, la vie, les gars, moi je mets un 9,5 sur 10 sur ce maillot. Et toi? Franchement, 9,5, bah, c'est ce que j'ai dit quoi. En plus, on est corda, gros. Bleu, jaune, blanc. On est tous les deux. Oh, tu fais un post Insta comme ça, mon pote. Basketteur et joueur de foot. Incroyable, les gars. Bah voilà, les refs. Hein. J'espère que vous avez kiffé en tout cas la petite vidéo déballage. Si vous voulez retrouver tous les produits, les maillots qu'on a déballés, les maillots de basket, tout, le lien du site de Easty Soccer est en première ligne de description. N'hésitez pas à les voir. Vous avez moins 10% avec le code NFZ, tout en minuscule, tout attaché. En vrai, on vous a dit nos retours honnêtes, les gars. On n'a rien à gagner en disant du bien ou quoi. Donc à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Et puis en voilà. Vrai, nous, les gars, c'est carré sur cette vidéo, gros. On aurait pu être refait. Ça y est, plein de nouveaux maillots de basket. Ouais. Ça y est, gros, là, j'ai plus qu'à mettre au basket. Franchement, les gars, Easty Soccer, ils mettent bien, les gars. Franchement, les gars, oh, ah, les gars, tout l'été, vous allez voir. Insta, petit maillot de basket et tout. Et je pense vraiment que je vais le prendre pour le sud, ça, lui, ce week-end. Hein. Allez, bon, bah, les refs, en tout cas, on espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. Nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et prochain live. C'était Rouge et Bleu. Allez, ciao, ciao. Peace, les potes.